Salut à tous et bienvenue sur les poules, opening de l'Event Archive 2021. Et oui, une fois n'est pas coutume, nous continuons à ouvrir nos caisses, même si nous avons beaucoup, beaucoup de gold. Oui, je vais montrer juste mes gold parce que, voilà, on connaît la chanson, hein, je fais toujours à peu près la même chose. 329 000 gold, ok, c'est bon, vous avez vu, on est ok. Et la vraie question qui vous saute à la tête, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pourquoi Tommy, tu n'achètes pas avec ces gold? Mais non, c'est toujours la même réponse, chacun se fait plaisir comme il le veut, et moi c'est mon petit plaisir d'ouvrir les lootbox. Donc oui, on accumule des doublons, parce que pas de contenu. Peu de contenu, tout à fait. Donc pendant ce temps-là, l'époque où on ouvrait sans items à chaque event, c'est terminé. Maintenant, on ouvre très peu d'items. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de continuer à se faire plaisir en ouvrant cette box qui sera un légendaire de toute façon. Pour commencer, bon, ok, on commence soft. Ok, ok, je vois la chanson. Ok, ok. Suis mon conseil, reste à terre. Ok, on va rester à terre, on va rester les pieds à terre. Je suis une professionnelle. Ok, la petite pause, un petit victory pose, je l'aime bien celle-là, hein. Peu importe le sur quel skin, ça va bien. On l'a vu sur le Echo Overwatch League, là, il était déjà plutôt pas mal. En skin de base, c'est aussi un bon truc. Donc, petit rituel habituel, hein, on équipe tout, évidemment, puisque... J'en ai marre de vos règles, puisque c'est tout nouveau. J'en ai marre de vos règles, parce que pourquoi on commencerait par un bleu? Alors que normalement, on pourrait avoir un légendaire très facilement. Et tu ferais arrête de demander, hein. Pour le coup, on connaît la chanson. Et voilà, le petit légendaire, tu demandes, tu as, c'est comme d'habitude. Et donc, le petit skin Bucci de Genji, qu'on équipe directement, qui va pas forcément rester longtemps, hein. Parce que moi, actuellement, j'ai le skin de Illidan, quand même, qui envoie du pâté, mais on va quand même mettre en avant, comme d'habitude, les toutes nouveautés. Le skin de Soldier est assorti évidemment avec un spray et une player icon, comme d'habitude. Donc on va tout équiper. Vous vous souvenez de moi? Non. Vous êtes qui? Cela vous dérange si j'enregistre? C'était... On va pouvoir faire des conversations bientôt, hein. Cela vous dérange si j'enregistre? Vous vous souvenez de moi? C'est genre... Là, les interactions peuvent être poussées très loin, je pense. Il y a moyen, peut-être, avec toutes les voice lines qu'on a eues depuis le début sur le jeu, de faire une histoire complète, hein. Peut-être, peut-être, il y a moyen, hein. Le player icon de Widow qui est assorti à son skin. La voice line... Je vais prendre votre déposition. De Orisa. La police. Et le petit spray, évidemment, qui va avec le skin de Zarya. J'aime bien ce gun de Zarya. Il est juste tellement mouse costaud qu'il en impose. Skin légendaire? Non. En fait, au début, je voulais dire skin épique, mais on n'en obtient pas. Donc, bon, bah, finalement, une emote épique, ça me va bien aussi, hein, pour le coup. C'est l'emote de Bastion. Il nourrit H24 son Ganymède. Alors là, je serais curieux de voir si vous le laissez pendant 3 quarts d'heure, comme ça. Est-ce que Ganymède, au bout d'un moment, il explose ou pas? Ça serait évidemment une bonne question à se poser. Ça serait assez sympa. Pareil, est-ce que si vous tournez le Bastion sur le sol, est-ce que le Ganymède finit par prendre feu avec le bitume? C'est des questions existentielles, évidemment, hein, qu'il faut se poser. Donc, on continue. Le petit player icon qui est assorti au skin de Genji légendaire, le Bucci. Je n'ai pas de bouton marche arrêt. C'est dommage. Et le petit player icon du skin de Zarya, qui en voit pas mal, hein, même sur le player icon, il a de la classe. Il en voit. Il en impose. Le petit spray associé au skin de Widow. On l'équipe aussi. Pareil pour la boss là. La boss line de Reinhardt, ça me donne envie de jouer Reinhardt. J'ai vu pas mal de gros joueurs Reinhardt en ce moment dans le top 500, ça me donne envie de jouer Reinhardt. Alors que je sais que quand tu vas jouer Reinhardt, tu vas juste morfler en fait, malheureusement. Le petit victory pose pour Doomfist qui est vraiment sympatoche, j'aime bien, hein, cette interaction. Ça donne envie en tout cas de jouer aussi Doomfist, mais tu sais que bon, c'est difficile en ce moment. Et on continue. La nuit est pleine de surprises.
Une nuit pleine de surprises, pas de problème. Le petit spray associé au skin de Tracer, pareil avec le player icône. Un package Tracer. Les calculs auraient dû se révéler exact. Sauf que package Tracer, théoriquement, on aurait dû avoir le skin légendaire. Peut-être qu'il est livré avec la deuxième caisse, il ne rentrait pas dedans. Peut-être qu'ils auraient pu le mettre après. Non, 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 ils ont mis le victory, l'emote de Macri. Où il recharge, il vide et il recharge. Bon. Pas l'infini, mais voilà, il vide et recharge. C'est déjà quelque chose, au moins. La petite victory pose, ça par contre, elle est plutôt pas mal. Il fait une... on sait pas ce qu'il fait, il fait un sourire, il est crispé, je sais pas. C'est... l'expression du visage n'est pas forcément... on sait pas trop, quoi. Hein. Donc, bon, on va l'équiper parce que c'est tout nouveau, mais voilà. La mort vient d'en haut. Ça, au moins, on sait, on connaît. Le petit spray pour Echo, parce qu'effectivement, c'est un petit peu celle qui arrive en retard par rapport aux autres héros. Même s'il n'y a pas eu de contenu depuis exactement plus d'un an maintenant. Et donc, le petit spray qui va avec le skin de Genji aussi. C'est mon diagnostic de spécialiste. Alors, si c'est ton diagnostic, sympa. Le spray qui va avec le skin de Soldier, qui est vraiment cool aussi. Ils ont la classe, hein, quand même, les skins. Bon, ils en vont pas du pâté pour certains, mais ils ont la classe, quand même. Hein. Habillés comme à l'époque, en 1800, ça envoie quand même quelque chose. Allez, maintenant, on rigole plus. On passe sur la phase du « j'ai rien du tout, j'ai que des doublons ». Ou pas, il manquait une emote de Reaper. Que voici. La fameuse emote, j'ai des guns de plus en plus petits, j'adore. C'est toujours le même gun, mais en version resizée, en plus petite à chaque fois. Les gros guns, les médiums, les moyens, et les tout petits, le tout petit. Imaginez, vous tirez avec ça, mais c'est juste collector, j'adore, j'adore. Et du coup, du doublon, en veux-tu, en voilà, nous sommes sur le rush final. Un skin légendaire, le skin de Soldier, ça me va. Pour l'instant, on en a eu deux seulement, je crois. Donc, on va encore collecter trois skins légendaires par la suite. Et après, on n'en parle plus. Ou pas. Parce que des fois, on a vraiment pas de chance hein, sur le tirage. Donc, du doublon, en veux-tu, en voilà. Vous comprenez maintenant hein, pourquoi on a 329 000 gold. On connaît la chanson. Du doublon, voilà. Moi, j'adorerais que Blizzard nous permette de partager des golds. Que je puisse vous faire des giveaways de gold. Franchement, moi, ça me donnerait vraiment envie. Mais après, derrière, effectivement, il va y avoir les farmers chinois qui seraient aussi... il y aura une nouvelle économie de farmers chinois de gold qui revendraient ça. Évidemment, on connaît, c'est toujours la même chanson. On continue, encore du doublon, en veux-tu, en voilà. Du bleu. Là, il faut commencer à prier parce que finalement, quand on enchaîne, en fait, Blizzard, ils disent « Ah ouais, il enchaîne le mec. Ah ouais, il doit en avoir en fait encore 200 derrière. » Non, non, non. Il faut y aller tout doucement. Il faut faire une pause. Il faut souffler parce que, en fait, derrière, Blizzard, ils vont croire que, bon, t'es parti faire un café, etc. Et quand tu reviens, tu rouvres une nouvelle caisse et là, d'un seul coup, t'as un légendaire qui pop. Mais là, voilà. Bon, il ne reste plus que cette caisse. Le légendaire. Là, on arrive sur une période de crise. Je sais que c'est la quarantaine, encore une fois, le Covid, le confinement, le couvre-feu, ce que tu veux. Mais à un moment donné, en fait, Overwatch reste Overwatch. Il n'y a rien qui rentre dans ce jeu, pas de virus. Donc, un légendaire qui doit drop au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc là, on a Aye, notre petit skin Tracer. Ça, c'est fait, on l'équipe évidemment tout de suite. On continue, on enchaîne, on va terminer même sur cette dernière run. Il reste 4 lootbox. Il nous reste plus que 2 skins légendaires, si je me trompe pas. Donc, là, on est sur le top 3, le fameux top 3. Les 3 dernières caisses. On sait que sur les derniers events, j'ai eu de la chance sur vraiment la dernière ligne droite. Genre, les 3 dernières caisses, c'est vraiment le truc où il faut espérer, même peut-être la dernière caisse où il faut absolument prier, quoi. Genre, c'est le truc. Au bout d'un moment, ça fonctionne. Un bleu. Aïe, aïe, aïe. 330 500 gold tout pile. C'est un signe, sûrement. Et donc, on va le voir sur cette lootbox si c'est vraiment un signe, évidemment. C'est pas un signe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe nucléaire.
On arrive sur la dernière loot box. Là, à un moment donné, on sait qu'on a une interaction virtuelle, mentale, avec Jeff Kaplan. On le sait, en stream, il nous fait des blagues. Et là, c'est le moment. Si tu es vraiment derrière ton écran, que tu nous regardes en ce moment, Jeff, s'il te plaît, permets-moi d'avoir un dernier skin légendaire sur cette dernière loot box, s'il te plaît. Maintenant. Non, il troll jusqu'à la fin. Il nous manque encore deux skins légendaires. C'est pas possible, c'est pas possible. Comment on peut faire ça à moi? C'est pas possible. Le mec, il est là depuis le début d'Overwatch. Il soutient Overwatch tout le temps. Le mec, il soutient économiquement parlant les développeurs. Et on lui fait cette blague quand même. Blizzard. Eh, il y a un moment donné, c'était drôle pour vous. Mais non, c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, pour l'opening, c'est terminé. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, il y a le petit concours. Vous retrouvez le lien en dessous. Vous aurez la possibilité de gagner 5 lootbox parmi 25 lootbox, donc 5 gagnants en tout. Ne tardez pas trop, vous irez sur Twitter. Il faudra absolument me suivre sur Twitter et retweet directement. Et derrière, eh ben, le résultat la semaine prochaine. Donc voilà, nous en tout cas on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt, bye bye.